Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy15 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle anecdote, aujourd'hui qui va être un peu courte, mais bon c'est pas grave. Ça s'est déroulé du coup quand j'étais petit, alors niveau scolaire c'était quand j'étais en primaire, mais après quel âge exactement, je saurais pas vraiment dire. Et ça se déroule du coup quand j'étais petit, j'étais en train de m'habiller du coup, genre ça devait être un mercredi ou un jour de week-end je vous avoue, parce que je me souviens ne pas être allé en cours ce jour-là. Et du coup je me change, j'enlève mon pyjama pour m'habiller et je vois que sur mon bras gauche, je crois que c'était mon bras gauche, un peu vers le haut, du coup c'est pas l'avant, enfin c'est pas l'avant-bras mais c'est du coup la partie haute du bras, je vois, ou c'était peut-être le bras droit, j'avoue je sais plus, dans tous les cas c'était un de mes deux bras, je vois que j'ai, non c'était le bras droit je m'en souviens, du coup j'avais une, je voyais qu'il y avait un truc qui, une sorte de petite bosse un peu noire, rouge, et du coup bah je savais pas si c'était normal ou quoi. Au début j'ai hésité à si c'était un grain de beauté, voilà, que je n'avais jamais fait attention, c'était possible. Et je vois que le truc est pas plat sur la peau, c'est pas un grain de beauté du coup. Et du coup j'essaye pas d'y toucher parce que je sais pas, j'avais peut-être peur ou quoi. Je descends et dis à ma mère ce que c'est, parce que bah j'avoue que sur le coup j'étais un peu perdu et je voulais à peu près savoir si c'était pas dangereux ou quoi. Elle me dit que du coup c'est une tique, enfin de souvenir c'est une tique en tout cas, et que faut absolument qu'on l'enlève. Et du coup bah bon, on pouvait pas l'enlever de nous-mêmes. En tout cas, c'est pas recommandé qu'on enlève ça de nous-mêmes, je crois. Si vous avez des informations sur ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça pourrait être intéressant de partager l'information. Du coup, on a appelé mon grand-père, du coup, qui habite assez proche de chez moi, et on m'a emmené, alors je sais plus si c'est chez le médecin ou si c'est aux urgences, j'avoue que là, je n'ai pas vraiment de souvenirs sur cette partie-là. On me l'a retiré, et après, bah voilà, la journée a repris. Plus ou moins normalement, j'avais juste une tique, mais sans que je sache pourquoi. Alors, comment je l'ai eu, je ne sais pas, et je m'en souviens plus. Et niveau de l'enlèvement de cette tique, bah, je crois, en tout cas de souvenir, ça ne m'a pas fait plus mal que ça, j'ai pas ressenti grand chose. Donc, si j'ai pas vraiment de souvenir, c'est que ça m'a pas vraiment marqué. Donc, j'imagine que c'était pas très important au niveau douleur. Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire si vous avez déjà eu une tique sur vous et est-ce que vous l'avez. Bon, vous l'avez retiré, ça c'est sûr, mais comment ça s'est déroulé, etc. N'hésitez pas à partager vos anecdotes sur ça. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 15 et je vous dis enjoy.